Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard.
sera bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Tout est en argent. L'or ne sied pas à mon pain. Tu devrais le savoir. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, mais ce vêtement. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Tu m'as manqué énormément. Moi aussi. Mais nous aurons bien le temps de nous retrouver plus tard. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Lila et Groseille à macro, évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Le sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein ? Quoi ? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al'Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Et des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée.
Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vesemir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vesemir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrise de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vesemir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vesemir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Geralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre ? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal, et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort, mais... Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes, jeune fille. Prends ça. Qui est le plein dans la jugulaire. Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Fais semblant, un peu d'imagination. Le cerf dormi prend son cours. Riposte, frappe, contre-attaque. Il y a peut-être de l'horreur à faire. En présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Gwen. Ciri. On surnomme Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Et maintenant observe.
Lance-igni, général. Je veux voir des étincelles. Tu vois, sans le signe de Gwen, je brûlerai comme une torche. Arme, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Siri? Arde peut à peu près tout déséquilibrer. Qui est le prochain tour? Passons à Axie. Bon sang. J'ai horreur de cette sensation. Ah. Axie a l'art d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gérald. Tu vois ceci, Siri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Siri. Gwen atténuera l'impact. Très bien. Ça suffit. Entraînement, là. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Siri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque? Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Siri et... je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Siri. Et moi j'étais immobile,
incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizimar. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Oh, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des goules. Laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants ? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria et Aedir n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon, à quoi bon vivre ? C'est bien, Ablett. Il est parti ? Oui, vous pouvez sortir.
Par les dieux, c'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine ? Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Un griffon, si près du village. Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée, ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Au galop, Ablette. Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard, maintenant. Mon cul, oui. Pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Ah. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. –
Il y a un contrat pour le Griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, l'échevin organisait une collecte ou demandait de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie ? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Il paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours, au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4 quoi ? Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non. Je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Un petit conseil. Retournez à vos livres tant que vous le pouvez. La guerre n'est pas un jeu. Un champ de bataille n'a rien à voir avec une université. Le premier soldat que vous croiserez vous tuera. Me tuer ? Mais pourquoi ? Je ne suis qu'un simple civil, un observateur. Vos bottes. Pardon ? Il vous tuera pour vos bottes. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur.
Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Donc, vous avez un don pour le Gwynt. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stiepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwynt. Je m'en souviendrai. Merci.
Je cherche une femme. Comme tout le monde? Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorun. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. À plus tard, Vézémir. T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Messieurs, ce fut un plaisir. Bonne mère, tu viens trinquer avec moi? C'est Derval. D-E-R-V-A-L. Une empereur et une contouille. C'est cogné la tête en allant au lit. Demain matin, il nage pas dans son pipi. Derval, Ordelza, je te le dis, moi. Sculpté par les escadrons noirs. Par tous les dieux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Putain, mais cette chanson. Je dis,
Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossé, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens gardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Il me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Des filaments d'amadou. L'incendiaire a dû allumer sa torche ici, la balancer sur le toit, puis filer par les traces des bottes. Un homme, grand. Ça pue la pisse. Et la vodka. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Tout le monde le sait, chacun de l'État offre son cul à tous les escadrons. Quelle petite pute! Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. La piste retourne au village. Il vous est arrivé quoi, la figure? Un saignement, léger, blessure superficielle. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Essaye, Andra, Inep Meke. Alors les villageois ont capturé un sorcier qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire. La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaid. Des griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux Nilfgaardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie, et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment, et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne.
Toudou. Maintenant, suis-moi. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Il brasse du cidre en criant de joie. Il le descend à grande gorgée. Puis au matin hurle, ma tête ne cesse de tinter. Démon aux yeux de vipère. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Hein? Nap! Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, hey, soldat! Vous avez une minute? Non, Willis! Par pitié, j'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi, je vous ferai un peu. Thank you.
dans le vieux chêne ce soir, trace acide en chignon de bois. Il descend à grande gorgée, qui au matin hurle, tête ne cesse de teinter. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que voilà un petit peu que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ?» Ou même un peu de charbon. Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante! Elle a une fin, par hasard ? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon ? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle, c'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Cadavre. Ça explique la puanteur. Un monocle cassé. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Rien. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Vous avez trouvé la poêle ? Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle. Pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ?
documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Tenez, votre poêle. Ma poêle ? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type ? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez ! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Venez, pour la route. Médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des monstres ! Des monstres des marais ! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé ? En quoi je peux vous aider ? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la-moi, je vous en supplie.
Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Une flèche ? Il ne m'a pas parlé de ça. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. Alors, vous avez trouvé la boîte ? Oui, un peu mouillée, mais intacte. Enfin ! La chance me sourit de nouveau. Et à vous aussi, sorceleur. Tenez, voici votre or, comme promis. Merci, et bonne route.
mauvaise idée. C'est un site d'énergie. Un site d'énergie devrait y puiser.